à toutes et bonjour à tous, c'est Romano, je suis accompagné de Akatsuki Gokli. Salut tout le monde. Et c'est le spécialiste, mais quand je dis ça, c'est vraiment le spécialiste de Dante dans PlayStation All-Star Battle Royale. Comment dire, j'ai jamais gagné contre lui, jamais, et mon plus gros score contre lui c'est 7-2. Donc pour dire à quel point ce mec est fort avec Dante, c'est mon record 7-2. Bon. Donc, bon, tu es là pour nous présenter on a pas ce fait tant de personnage. matchs que ça. Ouais, non pas plus. beaucoup, mais ça reste quand même mon meilleur score, c'est 7-2. Ça reste quand même un score. Mais là, je vais tout dévoiler, tu sais. Du coup, je serai plus prenable. Tu vas connaître tous mes secrets. Ouais, mais j'espère, c'est un peu le but. Non, Donc, pour commencer ce match-up, donc, on va commencer par parler du jeu. Comment tu as découvert PlayStation All-Star? Pourquoi tu l'as acheté? Qu'est-ce que tu fais dans le jeu? Enfin, le jeu en lui-même. Bah moi on m'a offert ce jeu à peu près quand il était sorti et bah je le voulais parce que j'aime bien les jeux de combat tout ça et je suis un grand fan de Street Fighter. Donc, un jeu où t'as beaucoup les combos tout ça et d'où je pense le fait que je sois tiré par Dante qui est un personnage à combo. Ouais. Donc j'aime bien les jeux de combat quoi. Bon, c'est vrai que c'est pas un jeu combat genre Street Fighter, Tekken tout ça mais j'ai bien aimé ce concept et j'avais joué aussi comme tout le monde le dit à Smash Bros. À chaque fois c'est ça la référence. Ouais, j'ai bien aimé du coup. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a un truc dans ce jeu qui t'a plu vraiment? C'est le fait de faire des combos? Enfin c'est quoi Franchement t'a... ouais, ça combo tout ça, donc je suis complètement contre les gens qui disent à mort les kills confirme parce que c'est pour moi le truc que je kiffe quoi. Surtout avec Dante, tu combo, tu fais kill confirme derrière. Donc c'est toi, t'as les deux en même temps, c'est nickel pour toi, exact. Je pense. Et pour les 7-2 que je me suis pris, je sais ce que ça fait, hein, de prendre des combos qui confirment. Bref, et donc pourquoi t'as choisi Dante? Est-ce que avant tu avais joué à d'autres jeux? Est-ce que c'est vraiment juste pour les combos pourquoi Dante? Au début, bah, j'avais pris le jeu venait de sortir, j'avais pris Raiden parce que bah, je le trouve super stylé, tout ça, il était assez fort, tout ça, mais le problème c'est que ouais, après j'entends les échos, tu vois, tout le monde dit qu'il est super cheaté, et c'est vrai, après que je l'ai reconnu aussi, du coup j'ai voulu changer parce que c'est vrai que t'avais pas trop de mérite de gagner avec lui, il était super abusé, shop kill, tout ça, du coup après je suis parti sur Dante, c'est vrai qu'il était assez difficile à jouer, j'étais beaucoup moins fort, je gagnais beaucoup moins, c'est vrai, mais j'aimais bien jouer avec lui. Et au début, bon, il y avait pas des petits cancels, hein, c'était plus dur, tu vois. Et donc, ouais, j'ai joué longtemps avec lui et jusqu'à aujourd'hui. Mais après, j'avoue que je l'avais un peu délaissé parce que j'avais beaucoup aimé après Cole. Ouais, j'ai joué contre Cole aussi, c'est assez spectaculaire, j'avoue. Ouais, donc je le maîtrise vraiment pas mal non plus et je me débrouille super bien, donc maintenant je joue que Dante et Cole. Ça fait très longtemps que je joue plus Raiden avec ces deux persos, franchement j'ai pas de problème et je me débrouille très bien, très complet. Mais depuis la mise à jour je joue beaucoup plus Dante, c'est vrai, parce qu'avant il y avait pas mal de défauts que j'expliquerai tout à l'heure dans le match-up et qui ont été corrigés, donc qui font un peu abuser, c'est vrai, mais du coup, ouais, il est beaucoup plus facile à jouer. Ouais, il paraît quand même qu'il est quand même assez difficile à contrôler. Enfin, je veux dire, ses techniques avancées sont vraiment, c'est vraiment des techniques avancées. C'est pas juste des trois touches que t'appuies et puis il fait tout le truc là. Il faut vraiment. Ouais, j'utilise pas du carré. J'utilise un peu toutes les touches dont on a besoin. De toute façon, ouais, ça donne des choses pas mal. Ok, bon, on va voir ça sur le terrain de toute façon. Donc, on va y aller tout de suite. Hein. Tu vas démonter des touches. Hein. Donc, tu as choisi un entraînement. Le grand, tu voulais, c'est ça? Ouais, vas-y, grand comme plat, ça. Ouais. C'est... Petit temps de chargement, si ça bug pas, bah merci. Donc, comme d'habitude, hein, on va commencer par les présentations des attaques. Tout à fait normal, les carrés, triangles, ronds, avec les différences qu'il y a s'il y en a en sautant, évidemment, parce que des fois il y a des persos qui ont des différences en sautant, et les chops. Et après, on passera au combo et au truc un peu compliqué de Dante. Ok, ça marche. Bon, ouais, je te laisse faire, vas-y. C'est parti. Bon, on va commencer avec le carré, comme tout le monde. Donc, son carré qui est enchaînable 3 fois, 4 fois. 4 fois, ah, c'est un. Avec le troisième qui stun comme ça. Elle est même, peut-être même plus pratique d'en faire que 3 au lieu de 4, presque. Ouais, après, c'est le principe du empty cancel, on en fait 3, tu vois. Et donc voilà, ça c'était le carré à terre. Tu peux décaler un peu comme ça, tu vois. Ça, c'est un truc assez un peu plus poussé parce que quand tu vois que le mec a gardé ton premier coup,
tu peux essayer de décaler le deuxième, parce que le mec, des fois, il va retirer sa garde, tu vois. D'accord, ok. Donc, c'est vrai que le décalage, c'est pas mal. Donc, voilà, pour le carré tout droit. Tu peux, ah oui, depuis la mise à jour aussi, tu peux tourner entre chaque carré. Ah, changer ça, de côté. C'est un petit détail qui a son importance quand même. C'est pas mal. Et donc, voilà, pour le carré tout droit. Hein. Ensuite, carré en l'air. C'est un coup qui envoie comme ça, le personnage en l'air. Ouais, bien sûr, encore un combo, hein, j'imagine. Ouais, on peut suivre en restant maintenu carré. Ouais. Donc ensuite, on peut pour l'enchaîner en l'air. Donc voilà, le carré, par exemple. Voilà. On voit ce que fait le carré, d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc on reste sur les coups à terre. Donc on peut aussi changer de sens avec en faisant, par exemple, si tu fais tac, ou ouais, si. Même avec le haut carré, on pouvait changer de champ. D'accord. Même en fait, avant la mise à jour, vu que le carré enfin, ne tournait pas de sens, quand on se faisait prendre à contre-pied, j'ai envie de dire, par un personnage qui avait fait une roulade, on changeait de côté pour avec soit bas carré, comme ça, ou soit haut carré. D'accord. Et ça surprenait l'ennemi souvent. Parce que bah, Dante, il pouvait pas se tourner comme ça avec ses attaques. Du coup, c'était un peu la seule méthode de se rattraper quand on s'était trompé de côté, quoi. D'accord. Du coup, voilà. Bon, maintenant, on est juste plus trop ça maintenant qu'on peut changer de côté. Donc, voilà. J'ai parlé de bas carré. Donc, bas carré, ça fait un coup comme ça au sol. Bizarre, il utilise pas son épée alors que carré, pour moi, c'était l'épée. Bizarre. Ouais, c'est vrai qu'il est. Ouais, j'avais jamais fait attention à ça. Bon, c'est vrai, c'est une grosse hache. Donc, ça envoie votre adversaire un peu haut. Donc voilà, et côté carré, la faux, on peut l'enchaîner trois fois, bim. D'accord. C'est en trois enchaînements, 1, 2, donc 1, 2, 3. Et 3, ok. Voilà. Donc bon, voilà pour les coups. On peut aussi changer de côté avec bas carré, je le fais en avant, je le fais en arrière. D'accord, on peut tout encore changer de côté en fait. Ouais, avec bas carré. Avec haut carré, avec tout. Donc voilà, on passe avec carré en l'air ou triangle en l'air, directement en l'air. Ouais, c'est vrai que ça se ressemble. Carré en l'air, c'est toujours trois coups. Bon, on va faire comme ça. Trois coups, tac, tac. Et on va votre ennemi valser. Ensuite, carré côté en l'air. Ça fait 1, 2, 3. Trois coups. Il tourne autour de lui-même. C'est avec la faux, bah c'est utilise les mêmes armes qu'au sol en fait, c'est soit avec la faux, voilà, et c'est ses trois coups en l'air. C'est vrai que même à terre, hein, il tourne autour, ah, toi, le deuxième coup, tac, il fait un peu le même coup. Voilà, et carré en l'air, qui est très utile en l'air, attends, je vais le faire. Tac, ça fait ça, un double coup d'épée comme ça, qui permet de continuer les combos en l'air. D'accord, après, tu le fais aussi. Parce pas que, mal. Tu peux faire ça, tu peux le faire au début et... Bon, ensuite, je te montrerai avec des petits cancels, des pistolets, tu pourras continuer après. Donc voilà. Et carré bas qui fait boum. Ah, ça aussi très utile en l'air. Qui casse tout. Mais qui a un petit inconvénient, c'est que le recovery est super long. Mec, il l'a gardé ou qu'il a fait un petit cancel comme ça, t'es mort. Un mec qui sait bien jouer, il va te punir ça tout le temps. Du coup. Je fais attention à pas trop l'utiliser quand. À la limite, quand t'es en plein combo, que tu peux le finir comme ça, tu le fais, mais c'est vraiment. Ouais, d'accord. Ouais, voilà, mais ouais, c'est ça. Mais faites attention parce que c'est super long à récupérer de ce coup. Et comme pas mal de coups en fait, hein, parce que même les carrés, ils sont assez longs. Hein, parce que une fois que t'as raté ton carré, il met super longtemps, tu vois. C'est pas Kratos quoi, je te dis tout de suite, c'est pas Kratos en recovery. Du coup, faites attention à ça. Et bon, voilà pour le coup. En l'air avec carré, ouais, voilà. Donc on va passer à triangle. Vas-y, hein, fais ton plaisir. Ouais, triangle. Donc triangle avec Dante sont exclusivement réservés aux pistolets. Donc t'as celui-là, tu peux appuyer deux fois à chaque fois. Triangle tout seul, ça fait ça. Une fois triangle, ça fait une fois. Et deux fois, donc il continue après. Voilà. Et ensuite, donc triangle bas, ça va être comme ça. C'est classe quand même ce qu'il fait. Ça désoriente pas l'adversaire, mais c'est classe. Ouais, c'est vrai que, ouais, détail très important, c'est que l'adversaire peut bouger. Regarde, tu peux bouger, ça te fait rien. Il peut te taper aussi, donc. Ouais, c'est pour ça que mais ça a été voulu par les développeurs, ça. Ouais, donc, mais. Ouais, j'ai écrit après que c'est pas utilisé pour faire mal des dégâts, c'est vraiment utilisé pour d'autres choses que j'expliquerai. Ouais.
c'est après. Côté, plus le côté, donc ça fait ça. Sur le côté en avançant un peu. Donc voilà. En l'air. Tac. Donc ça le fait voler un peu et. Qui est très utile pour autre chose aussi. D'accord. Un petit content notamment. On verra donc, ça dans les combos. Donc voilà, en l'air c'est pareil. Tout droit. Sur le côté. En bas. En l'air. Donc okay. Voilà. Bon, y a pas besoin de montrer plus, on comprend, on voit comment il tire. Ouais, triangle, c'est les pistolets. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à rond. C'est vrai que la première fois qu'on utilise Dante et qu'on joue, on dit mais ils servent à rien les flingues. Ouais, c'est ça. C'est trop bizarre. Hein. D'ailleurs, les gens qui regardent, qui connaissent pas trop Dante, ils vont se dire pareil, je pense. Quand ils ont vu qu'on se faisait, que ça faisait rien contre le perso. Mais... Vous allez voir, hein, c'est pas rien. Donc passons au rond. Rond, ouais. Tout simple, donc c'est un contre. Ouais. Allez. Voilà, et ensuite on peut continuer en combo, donc comme vous l'avez vu, ça désoriente l'adversaire qui est à terre et on peut taper avec n'importe quoi. Ensuite, rond en bas, un coup de hache qui envoie une boule de feu comme ça, qui à une certaine distance, attends, on va te mettre. Bon, là je crois que ça touche, ouais, c'est un peu la limite, tu vois, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal, ouais, une bonne moyenne de portée. Rond côté qui fait un dash. Très important avec Dante aussi. Très important d'utiliser les dash dans les matchs avec Dante, c'est aussi important pour d'autres choses que j'expliquerai après. Tu peux fuir aussi avec ça, j'imagine. Ouais. J'utilise aussi pour fuir quand un adversaire utilise son S3 par exemple, ça va assez vite, tu vois, ça va plus vite qu'en marchant. Bah c'est clair. Et j'utilise aussi beaucoup ça pour ouvrir la garde parce que un Dante qui est là, qui va faire tac tac, tu vois la vitesse à laquelle ça va. Ouais. Et je joue souvent la garde comme ça. Souvent je fais tac tac et ça passe très souvent, c'est vraiment très utile le dash. Du coup voilà, donc dash très important. Donc Baccarat et dernier au carré, donc avec sa faux qui envoie l'adversaire en l'air comme t'as ça. T'as dit au carré c'est au rond. Au rond, excuse-moi. Au rond, donc ouais, ça envoie l'adversaire en l'air, on peut même le continuer à le taper après. Ensuite, en l'air donc c'est le même coup, au rond, tac. Voilà, pareil pour Baron, le même, tac, pareil pour Ron, le contre en l'air, pas très utilisé, j'avoue, et pareil pour le dash et possible en l'air, voilà. Pour les combos, donc, en l'air, il est utilisé pour les, je te montrerai après, donc voilà. Voilà, on a fini avec les touches normales. Hein, ben non, faut les trois shops, si t'en as trois différentes, évidemment. Yes, comme yes, tout le monde. La shop en bas, la shop sur le côté. Ça dégage bien. Et la shop en l'air qui permet de combo. C'est-à-dire. Donc, celle que tu utiliserais le plus, j'imagine. Ouais. Tu peux faire un haut rond facile comme ça. Avec, mais il n'y a pas trop de possibilités non plus. Quoi. Tu veux faire un petit combo, mais c'est vrai que c'est pas comme une shop, comme l'ancienne shop de Raiden ou. D'autres chops ou 4 qui a une chop très bien où on peut même kill confirme après. Il est pas pété à ce point quoi. D'accord ouais. donc voilà pour les chops. Ils ont pas une portée de fou non plus, hein, c'est. Bah bout de bras quoi. un petit bras comme ça quoi. Ok. C'est pareil pour quasiment tous d'ailleurs hein, les shops, mais il y en a qui sont vraiment très très faibles comme ceux de Fat qui a tout petit bras. C'est la fin, ou les parapins, des petits taureaux, ou je sais pas, ouais. Il y aurait eu un Dalsim de Street Fighter par exemple, la shop, elle irait très loin par exemple. Bon. C'est parti, montre-nous maintenant des combos, on va commencer par les combos entre guillemets simples, hein. Entre guillemets, vraiment un guillemet si tu connais des combos assez accessibles. Ouais, super simple. Il y en a des super simples avec Dante. Donc les combos vont souvent commencer par carré, carré, carré. Et ensuite, excuse-moi. C'est pas grave. On enchaîne par au rond, au carré, excuse-moi. Ouais. Ça on l'amène comme ça, donc étape par étape, donc je montre pas d'un coup, je le montrerai après. Donc carré, carré, carré. Ah non. Une fois de trop. Carré, 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 au carré, 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 au carré. Là, il y a beaucoup de carré là. Carré, c'est très simple. Et après, d'accord. Même, on peut regarder, enchaîner, hein, carré, 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 au carré, 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 au carré. Et ensuite, on peut enchaîner avec bas carré. 1, 2, 3, tac, 1, 2, tac, tac, bim. Carré, on peut déjà faire ça, et ce qui est déjà pas mal. Ah, on va l'appeler Kratos là, fais gaffe. Hein.
je le fais jamais, ça. C'est vrai que pour commencer, il y en a beaucoup qui font ça. Les dentés peu expérimentés, ils vont pas faire des combos avec des pistolets, des ronds en l'air, parce que ça demande déjà plus de maîtrise. Ouais. J'avoue que j'en vois beaucoup aussi, ouais, utiliser seulement ça, faire ça. J'en vois beaucoup. Ah, C'est vrai que c'est c'est assez classe quand même. Et c'est assez simple, ouais, t'as... simple. c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc, alors, des combos un peu plus compliqués. Je peux te montrer, hein, sans expliquer d'abord. Parce Oui, que vas-y, vas-y. c'est pas évident d'expliquer les touches chaque fois en faisant. Attends, bon, allez, un petit combo classique. Pistolet, tac tac, pistolet, bim. Avec combo max en plus, ce que j'ai vu. Ouais, combo max, ça le fait. C'est combien ça donne à peu près par rapport à ta barre de 1 par exemple, un combo comme ça? Ça donne toute ta barre? Ouais, ça me donne toute la barre parce D'accord. que son combo max donc c'est 130 et son niveau 1 c'est 125. Il faut 125 points, du coup. Oh bah oui, à 5 près, ouais, c'est gentil. Combo Ok. max. Ouais, donc aussi les pistolets pour faire plus de points. Le même combo mais avec des pistolets. Là, à ce moment-là. Tu vois? Ouais. Le temps qui tombe, en fait, tu fais des coups de Voilà, c'est ça. pistolet. Et du coup, ça te donne 20 points de plus, tu vois. Du coup, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Et donc, voilà. Un autre combo, pourquoi? Un peu plus compliqué. Avec avant-carré, en fait, ce que j'ai remarqué à un moment, c'est que tu peux comboter avec carré-carré. C'est-à-dire que tu vas attendre un peu, et regarde, là, je l'ai fait trop tôt. Mais si tu attends bien qu'il range son arme, tu peux comboter avec carré-carré comme ça. D'accord, ça te fait un Ça petit passe coup par exemple. avant, d'accord. Mets bien la garde après que je te touche avec avant-carré pour bien confirmer que ça fait combo. Tu vois? Ouais, non, j'ai rien pu faire. Ouais. Rien à faire, ça marche. Donc tu vois, souvent j'utilise ça aussi pour ouvrir la garde. Ouais, je peux rien faire, j'ai laissé appuyer, j'ai appuyé, j'ai tout fait, mais ça fait rien du tout. Ouais, donc il y a bien un petit laps de temps où tu peux passer en combo et c'est pas mal. Franchement. Parce que avec avant-carré, en fait, tu peux juste. Tu peux pas vraiment comboter après, du coup, ça servira à rien. Il m'arrive parfois d'utiliser ça. Et même dans les petits cancels, en fait, j'utilise ça. Tu verras après, je te montrerai. Ça fait vraiment, vraiment pas mal. D'accord. Sinon, des petits combos, il y en a plein, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que tu dois te faire très vite pour changer, en fait. Donc, une chose, on va commencer à expliquer une chose très importante à être denté, l'utilisation donc des pistolets, notamment, leur utilité carrément, c'est que avec les pistolets, en fait, ça va servir à annuler des. En fait, on peut placer les pistolets après les carrés. C'est-à-dire ici, on peut placer un pistolet après n'importe quel coup carré. Comme là, vous voyez, ça arrête Non, l'animation. ça marche pas avec les boutons ronds, vraiment que carré. Oui, voilà, c'est que carré. Je peux appuyer n'importe quel coup carré, ça annule l'animation, tu vois, comme là par exemple. Bas carré, tac, tout de suite il te remet et ça l'annule avec pareil pour là. Alors que si je le fais normal bas carré, tu vois, c'est super long. Le temps que Ouais. je re pareil pour au carré, c'est super long. Alors que donc les pistolets, voilà, ça va vraiment servir à ça et c'est là qu'on va avoir l'utilité. Et donc il y a l'autre particularité avec Dante, c'est que les pistolets sont annulables avec les ronds, les touches ronds, c'est-à-dire comme les dash par exemple, tu Ouais. vois. Je peux appuyer carré après, ça fait rien par contre. Les carrés, ça annule rien du tout. Et du coup, en fait, c'est très utile pour annuler donc les coups de pistolet. Donc, c'est-à-dire pareil pour au triangle, hein, au rond. Tac, on peut annuler les coups de pistolet avec au rond. On peut annuler les coups de pistolet avec baron. D'accord. Et avec rond aussi, avec le. Donc voilà. Donc, les carrés sont annulables, j'aimerais dire, on va dire, avec les triangles. Et les triangles sont annulables avec rond. Donc, qui fait un petit cercle. Et c'est là donc qu'on comprend comment on peut arriver à faire ça. Parce qu'en fait, il tire un coup de pistolet, mais il s'arrête parce que tu fais un autre truc avec rond, et mais comme tu le rends, tu l'annules avec du carré, c'est ça? C'est un peu ça. Ouais, je vais expliquer ça après, mais je pense que Waouh, c'est franchement, je très comprenais lentement, pas, tu je vois. comprenais Tu vraiment pas vas mieux comment faire, comprendre maintenant je après, comprends tu un vas peu voir. mieux. Tu Ok. vas mieux comprendre après, je vais bien expliquer le MT Console qui est vraiment le truc clé de Dante. Donc voilà. Donc sinon pour les combos, si t'en as plein, hein, franchement avec Dante, c'est ça, on peut créer plein de combos. Il y a vraiment Bah c'est pas grâce mal de possibilités. au cancel quoi, parce qu'il n'y avait pas le cancel, ce serait pas possible, mais là c'est vrai que on vient d'en voir un Avec autre là. les cancels, ouais, tu peux faire beaucoup plus de choses et des fois je m'amuse à essayer plein de trucs, par exemple tac. Merde, attends. Tac, 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 tac. J'essaye
Merde. Tac, tac, tac. 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 Ah ouais, purée. Ah, tu vois, j'essaye de faire plein de trucs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités avec lui. Et du coup, c'est vrai que c'est ça que j'aime bien en fait avec lui. Et on n'a pas ça avec tous les personnages. Possibilité de comboter comme ça. Bah en fait, je trouve que finalement, le perso qui se rapprocherait le plus d'un Dante, c'est Kat en fait. Au niveau des combos. Ouais, il n'y a ouais, pas de pareil, cancel, mais au niveau de le fonctionnement des combos, il y a un combo qui permet de ramener l'adversaire vers toi pour refaire un combo derrière. Enfin, j'ai l'impression que c'est les deux personnages les plus proches en termes de combos dans le jeu. Mais en tout cas, c'est impressionnant quand même. Donc un petit combo aussi, pas mal, c'est tac, 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 au triangle, bas carré, donc on va faire plus vite pour expliquer. Carré, 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 au triangle, dash sur le côté, dash, tac. Bon, ça va un peu vite, tu vois. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Il y en a qui disaient justement, est-ce que tu connais d'autres combos que le petit cancel, tout ça, qui t'avait un petit peu trollé quand même. Ouais, ah oui. Je confirme, il en connaît d'autres, y a pas de soucis. Il y en a pas mal. Et c'est vrai que au final, avec le petit cancel, tu peux faire tes combos max, tu peux faire tes kills confirm, du coup tu vas les utiliser tout le temps quoi. Le combo que je vais faire sans petit cancel, ça va être le premier parce que je sais que je vais pas avoir le niveau 1 quoi, tu vois. Ouais. Tu sais que je pourrais pas kill, alors je vais faire un petit combo quoi. Le premier combo du match, la première ouverture de garde. Et après, une fois que t'es un c'est peu là-bas. Après, dès que j'ouvre la garde, je vais en petit cancel parce que si je vois qu'à un moment j'ai le niveau 1, je le lance quoi. Ouais. Avec du coup, donc c'est assez répétitif dans les matchs, j'avoue, c'est vrai. Mais en même temps, on va dire que quand t'es dans les matchs, t'es là pour gagner. C'est vrai que c'est con, mais t'es là pour gagner. Donc qu'un mec qui prenne un mec cheaté, il est là pour gagner. Que le mec il utilise toujours la même technique, mais il est là pour gagner. C'est difficile de ouais, dire. Bah après, si tu joues entre amis, tout ça, c'est une autre chose, tu t'amuses, mais si tu es là pour gagner, tu. Parce que t'es dans un forum où il y a des tournois, moi aussi, on gagne des points, on est là pour gagner justement. Donc c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent le beau jeu, il y en a qui préfèrent l'efficacité. Le beau jeu tu peux le faire avec des amis quand tu fais des trucs un peu détente à la limite. Mais c'est vrai que quand tu veux gagner des points, tu es là pour un classement, ah là tu fais tout pour gagner. Moi je suis d'accord avec ça quand même, même si c'est pas agréable. Mais t'es pas contre c'est comme les ça. Confirme toi, ça va. Ah non, les kills confirme, je suis pas contre. Les kills confirme abusé peut-être un peu, mais les kills confirme en temps normal non. Mais faut bon, j'aimerais parler d'une autre chose, c'est les ouvertures de garde en fait. Avec quoi ouvrir les gardes, ce qui est utile en fait. C'est-à-dire que quand vous avez trouvé une certaine distance d'un personnage, comment aller réussir à ouvrir la garde? Parce que c'est quelque chose d'assez important à Dante. Comment réussir à ouvrir la garde? C'est que vous allez chercher en fait à essayer de le choper au sol. Désolé. C'est pas grave. Donc souvent, vous allez essayer d'ouvrir sa garde donc avec un carré. Mais c'est pas évident. Alors, vous allez. Donc je vais vous donner quelques indices. Donc déjà, je vous ai montré tout à l'heure que le dash était très utile pour surprendre l'ennemi. Donc d'une certaine distance, vous dashez, vous appuyez carré, ça va marcher souvent. En plus, vous êtes un peu aidé avec le lag parfois parce que. Le moment où il appuie L1 et le moment où il est en L en protection dans votre écran, il y a peut-être quelques dixièmes de seconde et ça vous donne un peu d'avantage, vous savez, parce que tant qu'il voit que vous avez dashé et que vous appuyez carré, il y a peut-être un petit lag. Mais bon, souvent ils se font surprendre, mais c'est pas à cause du lag quoi. Donc ça marche souvent. Je vous conseille de souvent utiliser ce dash pour ouvrir la garde, vraiment très utile. Et récemment j'ai appris donc une nouvelle technique, vraiment pas mal, pour ouvrir la garde, c'est en fait j'utilise. Au sol, je saute et je fais un côté carré comme ça. Vous voyez le coup là, je suis assez loin de lui et vous voyez le coup, il est très loin de lui aussi. Oui, largement, ouais. Ça, on voit comme et ça, donc, oui. Et en fait, le deuxième coup, regardez où il va. Il va très loin, tu vois, il est juste à tes pieds là. Tu ouais. vois ou pas ah, oui. T'as même touché là. Et du coup, en fait, ce deuxième coup, il surprend souvent l'ennemi. Je vais me mettre à quelques mètres de lui comme ça. Je vais sauter, je vais faire avant carré. Il va voir que le coup, il est très loin de lui au premier coup. Donc, il serait même prêt. Il va retirer sa garde. Ouais, c'est, ouais, ça. C'est ça. En fait, souvent, il va retirer sa garde. Il va se prendre celui-là. Tac. Ouais, il va retirer la garde parce qu'il va pouvoir t'attaquer. Vu que t'as raté, bon, bah, je vais ouais, pouvoir voilà, aller l'attaquer. Il va voir, qu'est-ce qu'il fait là? Ça va vite dans sa tête, c'est vrai. Donc, il va lâcher sa garde à un moment. Il va se prendre celui-là. Et après, vous pouvez continuer. Donc, souvent, ce que je fais, même. Parce que je suis assez loin, des fois. Le carré, il touche pas, tu vois. Ouais. Par exemple, là, tu vois, le carré, il passe pas. Ce que je fais, c'est un peu. C'est un dash, tu vois. Un mini dash, d'accord. Quand t'appuies rapidement derrière, en fait, il arrête son dash et il tape, en fait. Voilà, c'est ça. Tu vois, la carré, ça touche pas, du coup, je vais le faire avec le dash, ça va passer. Merde, raté le dash. Ouais. D'accord. Donc, tu vois, c'est.
Donc voilà, c'est vraiment pas mal cette technique pour la garde, et c'est surtout safe quoi, parce que quand vous venez devant un Sweet Tooth et vous avez le carré et qui se protège, donc ça je l'ai appris récemment, avec un Sweet Tooth, quand il se protège, il peut spammer, voilà, le niveau 1. On me l'avait dit ça aussi, mais bon, comme j'utilise pas Sweet Tooth, je m'en fous. Parce que j'avais fait un duel contre lui, il m'a tué deux fois comme ça, bon j'avais gagné 7-2, c'est pas grave, mais... 7-2, un score qui est souvent là, d'ailleurs. Donc je me suis dit, attends, comment faire alors? Parce que chaque fois que je vais taper dans sa garde, je vais me le prendre. Mais je me suis entraîné et j'ai trouvé une petite technique pour contrer ça, en fait. Je me suis jamais entraîné en live avec quelqu'un, j'étais en entraînement. Non, okay, mais tu sais pas si ça marchait, mais je veux bien essayer. Donc tu vas te protéger le premier coup et tu vas le refaire, d'accord? D'accord. Je sais pas si ça a marché là avec un petit lag, mais en fait, le truc c'est de décaler son deuxième coup d'épée et normalement ça te casse ton essaim. En entraînement ça marche très bien, mais là je sais pas. Donc on va faire ça. C'est pas grave, on essaye. C'est pour toi. Tu vois? Ah oh ouais, d'accord. Oh ouais, c'est quand même un timing de fou parce que. Après tu vois, c'est juste avec Sweet Tooth, tu vois, mais. Voilà, c'est l'entraînement du match-up Dante Sweet Tooth. Je me suis entraîné avec ça, comme ça la prochaine fois je me ferai pas avoir. Chaque fois que je taperai dans sa garde, je décale les carrés. Ouais, d'accord, comme ça, ouais, même après, si. C'est assez technique, d'accord. Tu vois. C'est vraiment. Moi, souvent, je fais ça, quoi, tu vois. Je sais que je vais jouer contre un grand joueur dans un tournoi, je vais jouer contre son perso, je vais m'entraîner, comment le punir, les recovery de chaque coup, son essaim. Par exemple, là, voilà, c'était un cas typique où le mec, il mettait des essaims quand je tapais dans sa garde, je comprenais pas. Je trouvais ça super abusé. Et, bah, donc, c'est en fait, j'ai trouvé une petite manière de contrer. C'est le essaim le plus rapide du jeu en termes de. Bah, ouais, c'est ça, le premier coup, en plus, il colle la grenade et après, il explose. Ouais. Bah, on me l'avait expliqué, mais je l'avais jamais testé. De toute façon, je joue ni Sweet Tooth ni Dante, donc je risque pas de tester. Mais ça, comme l'avait dit, donc. Mais je pense que, après, j'ai jamais essayé avec d'autres, mais je pense que quand il garde sur d'autres persos, il peut aussi le faire. Ouais, j'imagine. Bah, il faut que ce soit les rapides en tout cas, faut que ce soit des persos rapides, parce que si c'est un perso comme. Qui est lent, mais. Donc voilà, donc, si un Sweet Tooth il vous fait chier à vous spammer des. S1 dans la garde, vous faites ça, vous décalez le deuxième coup d'épée, et ça lui casse le sien. Ouais, ça, donc... ça va casser tous les espoirs de ceux qui avaient une Sweet Tooth qui espéraient se battre. Bravo, tu viens de casser le moral à plein de personnes, bravo à toi. Déjà qu'il a pas grand chose de Sweet Tooth. Ouais. Bon. Donc, ouais, voilà, donc on passe à quoi? Est-ce que pour les un petit comme ça, tu pourrais vite expliquer vraiment pour comment ça se fait qu'en fait, vraiment bah, les animations elles sont annulées à ce point-là? Je veux dire, t'as même pas le temps de la commencer qu'elle est déjà terminée. On va expliquer déjà un petit concept, c'est en fait ce qui permet de faire ça, tac 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 tac, et d'enchaîner à l'infini 5 fois, parce que au bout d'un moment ça fait combo max et le personnage tac s'envole. Ouais. C'est déjà pas mal. Hein. Donc ça fait 130 points. Et les personnages s'envolent. Donc comment on fait ça? Alors je vais vous expliquer. Donc déjà, il y a trois combinaisons de touches à faire. On va se mettre au milieu. C'est un peu simple. Alors la première touche à faire, c'est. Donc les gens ils font au triangle. Après avoir fait les trois carrés, ils font au triangle, d'accord? D'accord. Et très rapidement, il faut faire un dash. Tac, et après le dash, t'appuies carré. Tu vois? Ouais. Et là, je l'explique en facile. Après, je vais vous expliquer comment le faire bien, histoire que tu décolles pas du sol et ça fasse quoi. Ah, parce que là, c'est impressionnant. T'as vraiment... C'est vrai que tu fais un petit saut juste comme ça, quoi. Juste un petit saut pour pouvoir continuer, ouais, alors que c'est pas le cas. Donc, alors, le truc, c'est que. Donc, vous allez pas faire au triangle, mais au arrière-triangle. Le personnage il va se retourner en même temps. Bon, ça change rien dans l'animation, mais c'est important. Ça va permettre qu'en fait, parfois, quand tu fais le dash, tu vas te retrouver à l'envers à la fin. Ouais. Donc, grâce à ça, en fait, on sera toujours du bon sens. Parce qu'en fait, parce que parfois, quand tu faisais un petit cancel, tu te retrouvais à la fin au mauvais sens et tu tapais dans le mauvais sens. C'était un problème que certains avaient. Donc, d'accord. Je dis aux personnes, donc faites haut, arrière, triangle. Donc ensuite, après ça, vous faites un dash, et ça permet en plus, quand vous faites haut arrière triangle, de dasher au ras du sol. Alors que si vous faites haut triangle dash, tu vois comment il monte haut? Ouais. Alors que si tu fais haut arrière triangle dash, il peut dasher au ras du sol. Okay. Donc ça, c'est un truc que, en changeant de sens, il dash plus vite. C'est comme ça, je peux pas expliquer, mais c'est comme ça.
en changeant de sens, il tâche plus vite. Et c'est... Donc voilà, au début vous faites horaire triangle, avant, rond, pour dasher. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer rond ou carré, qui va annuler donc le dash. Ah ouais, c'est vrai que t'avances pas du tout en fait. Finalement, tu avances à petit pas par petit pas. En fait, tu fais horaire... Attends. Donc, pourquoi le carré en l'air? Parce qu'en fait, t'auras du sol, tu vois. Mais t'as plus carré. Et pourquoi l'animation carré en fait elle sort pas? C'est parce que t'es tellement au ras du sol que juste après que t'as plus carré en fait tu retouches le sol et du coup en fait tu vois pas l'animation du carré. D'accord. Ah ouais, d'accord, fait, ça annule l'animation, d'accord. Ouais, voilà, et ça marche aussi pour le rond. Attends. Ensuite. Alors. Donc voilà, donc si vous faites ça, très rapidement, au arrière triangle, rond avant. Et carré, vous réalisez le multi-pointel. Et ça, toi, tu l'enchaînes plein de fois à la suite. Bon, en fait, c'est ce qui va se faire comme ça. Tac, carré, 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 un petit pointel, carré, 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 un petit pointel, carré, 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 tic. Ah, mais t'as, en fait, j'ai l'impression que t'as des doigts supersoniques, quoi, que tu déplaces sur les touches, mais d'une manière tellement rapide que t'es pas humain, tu vois. C'est. Franchement, ça va demander beaucoup d'entraînement. C'est pas un truc qui va se faire tout de suite. Hein. Moi aussi, j'avais beaucoup de mal au début. Hein. Je vous dis tout de suite. Et du coup, en fait, avec le temps, vous allez mieux réussir. Quoi. Bon, il m'arrive aussi de le rater hein, souvent, comme là. Ouais, je me suis déjà arrivé en combat que tu le rates. Mais... Vous allez rater, même quand vous allez maîtriser pendant des mois et des mois, à un moment, souvent, vous allez rater. Même. Franchement, ça m'arrive souvent. Et vu que vous le faites souvent, en fait, vous le faites tout le temps dans le match. Du coup, il y a souvent des moments où vous le ratez, par exemple. Voilà, vous allez finir en l'air avec un truc comme ça, ou vous allez faire carré, 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 ou je sais pas. Franchement, il y a plein de... Vous allez vous emmêler, en fait, dans les touches. Du coup, il y a des fois où vous allez le rater. Il y a plusieurs... Donc, on va expliquer plusieurs méthodes pour le faire. Certains, en fait, ne se retournent pas en faisant le haut triangle. Ouais. Du coup, il monte plus haut, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois. Ouais. Le dash, il se fait plus haut. Du coup, ils font ça et ils font ça. Je sais pas si t'as vu, mais beaucoup d'Dante, moi j'en ai vu certains, qui faisaient comme ça et qui n'arrivaient pas à le faire au ras du sol. Parce ouais, que justement, ils se retournaient pas. Et du coup, en fait, donc voilà, donc je le dis déjà, donc s'ils n'arrivaient pas à le faire au ras du sol, c'est parce qu'ils se retournaient pas avec le haut triangle. Et donc c'est aussi un moyen d'en enchaîner, hein. tu peux enchaîner avec ça. Donc je le fais pas souvent, du coup... T'as trop l'habitude de te retourner maintenant, tac, que... tac, 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 tac. Bon, du coup, ouais, j'ai pas l'habitude de faire cette... Tu vois? Tac, tac, tac. D'accord, ouais. Et ils appuient pas... C'est moins fluide, hein. Carré, ils appuient pas carré, mais avant carré pour faire ce coup-là, en fait. En fait, le coup de faux qui met à terre, là. Regarde. Ce coup là, du coup oui. ça met à terre, bam. Et on peut continuer. Ouais. Ok. Mais bon, on voit que t'as quand même plus l'habitude de l'autre parce que... Ouais, l'autre je le fais souvent et il me sert pas mal de choses, j'avoue. Notamment les kills confirmes. Ouais, mais on verra ça quand on sera au super. Bah en tout cas, bah, j'ai enfin compris comment ça fonctionne, merci à toi. Tu te fais ça, tu verras, arrière triangle, avant rond, carré. Mais déjà, je peux déjà essayer celui sans faire arrière pour voir ce que ça donne, puis ouais. Pour essayer celui-là. Bah, sans faire arrière, donc c'est au triangle, avant rond, pour faire le dash, et carré sur le côté. D'accord. Donc au triangle, avant rond, carré, bim, tic, tic, tic. D'accord, ok. Mais merci si à toi. Après, donc, tu fais tac. Tu fais la manière qui a l'air plus compliquée. C'est pour les trous, comme on dit. C'est pour les trous. Voilà. Ok, et une mine de Sweet Tooth, par exemple. Est-ce que ça peut t'embêter? Ah oui, c'est vrai que les mines c'est très chiant, franchement, et beaucoup donc, de persos dans ce jeu ont des mines, donc Sweet Tooth, Isaac, Sly, Ratchet, le piège de Sackboy. Et c'est vrai que c'est super chiant pour les combos à combo, les persos à combo, parce que même si vous le chopez, à un moment vous allez vous manger sa mine et voilà. Donc contre les mines, donc ce que je fais. C'est que j'essaye de les détruire avant de l'attaquer. Donc soit avec un petit truc comme ça, tu vois. Ouais. C'est vraiment pas difficile. Et vu que ça a une longue distance, c'est pas mal. Mais bon, tu sais, les persos, ils ont tendance à souvent placer la mine, tu vois. C'est pas évident.
Je dis tout de suite que ça va pas être facile de jouer contre des persos à mine. Mais donc ce que je fais maintenant, parce que en fait toutes les mines ne se cassent pas en un coup. Par exemple, récemment j'ai joué contre un Sackboy et son piège électrique ne se casse pas en un coup. Il lui faut au moins 3 coups de ça quoi. Ah Et ouais, mais c'est vrai que... tu vas pas te faire chier à faire tac, 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 pour casser son piège à la con hein, et de toute façon lui en 2 secondes il en replace un après. Du coup en fait, je le cassais comme ça, avec bas carré. Bam. Puis bas carré, c'est un coup très puissant et ça casse les pièges. Mais j'avais un problème, c'est que lui, donc il savait que avec bas carré, il savait que je mettais beaucoup de temps à me rétablir et donc après il arrivait à me punir. Tu vois? Ouais, bah, Et du normal. coup, en fait, j'ai essayé de trouver une autre méthode. C'est que je le casse avec bas carré, qui est un coup plus rapide. Et même pour me rendre plus safe, plus sûr après, je fais un empty cancel. Tu vois? Non, ouais, Histoire donc de tu le peux te casser remettre super pile poil rapidement, quoi. sur. C'est-à-dire, Histoire si le mec il attend que tu fasses ça justement, bah, il se protège à un moment où tu fais ça, mais. Parce que une fois que Ok. tu fais l'empty cancel, tu peux tout de suite te rétablir, même continuer avec des combos, même faire ce que tu veux, tu vois, même te sauver, tu vois, regarde, Ouais. tu vois, je le casse et tac, tac, il y a plein de choses à faire, tu vois. Du coup, je le casse avec Baccarin. Avant, je cassais toutes les mines comme ça. Mais franchement, une fois qu'il t'a esquivé, il saute comme ça en l'air ou il se protège et t'es souvent un peu mal Ouais. si je le prends pas. Du coup, voilà, sous maintenant les mines, je les casse rapidement comme ça. Pas trop près sinon tu le prends. C'est sûr. Voilà pour les mines, je vous conseille. Moi c'est pas évident franchement, mais sinon en fait bas carré au triangle et sauvez-vous quoi avec tac tac avec un dash ou je sais pas, mais moi essayez de faire ça, c'est assez classe. Mais c'est vrai, de toute façon, le perso lui-même est classe. Il y en a plein qui disent, oh, le nouveau Dante, il est pas beau, c'est pas comme les anciens, mais il est classe, hein, tu peux pas Et dire le si il contraire. est classe. C'est ça le problème. C'est qu'il est peut-être moins beau qu'avant, mais il reste classe quand même, donc tu peux rien dire. Ok, Yes. bon, bah, je pense que t'as montré tous les combos de base, Bien enfin, sûr, de base, même avancé, hein, d'ailleurs. cette liste n'est pas complète et il y a beaucoup de choses très possibles avec lui. Après, voilà, c'est au joueur de... Vous pouvez créer vous-même les combos les plus fous. Pensez. Ensuite, ouais, avec les empty consoles, c'est vrai que j'ai pas montré de combo, mais attends, viens, attends, attends, viens, viens, viens. Je peux te montrer un petit combo max, non? Ouais, Petit vas-y, combo. vas-y, vas-y, vas-y. Pas 130, mais 180. Ah oui, non, Justement, mais vas-y, grâce. vas-y, fais voir 180, c'est honteux. Grâce justement au pistolet, tu vois. Ouais. En fait, tu veux faire des empty cancel chaque fois, le carré, 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 empty cancel, mais il faut rajouter en fait les pistolets. Oh là Du coup, en là. fait, c'est ce que je dis aujourd'hui. J'ai essayé d'apprendre à quelques personnes de faire justement le empty cancel. Ils m'ont demandé, ils sont venus me voir, apprends-moi comment faire ça, tout ça, tu vois. Donc, je leur ai appris bien. Arrière triangle, dash, carré, tout ça. Et je leur ai dit, une fois que tu maîtriseras bien, essaye de faire ça. Parce que entre chaque empty console, tu rajoutes des dégâts au pistolet, tu vois. Ouais. Tu fais ça en fait. Tac, 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 tac. En Ah fait, ouais, tu d'accord. vois. Et le dernier, double pistolet. Et ensuite ça, tu fais ça. Et du coup, ça te fait un 180. En fait, c'est ce que je donc bien. C'est ce que je dis donc aux personnes de. Une fois que tu maîtrises bien le normal, fais-le avec les plus de dégâts avec le pistolet. Parce que ça rajoute 10 de dégâts à chaque fois en fait. Plus 10. Non, Bon, il y a ta mine, quand même. ça va te recasser, tu vois. Mais. Voilà. C'est vrai qu'on voit pas les points que ça fait là. Non, parce Si? qu'on est au niveau max, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. Ok, voilà. Mais Suffit je te de le dis, faire ouais. après à Ça marche. nous-mêmes. Tac, 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 tac. Merde. Tu vois, je l'ai raté là. Mais donc voilà, même les meilleurs peuvent se rater. Et à la fin, double pistolet au rond. Bim. Ah ouais, d'accord. Pile poil ce qu'il faut pour avoir Voilà, le pile poil pistolet. ce qu'il faut, exactement. Ok. Bon, ben je crois que... Ça fait 180. Si, en fait, si vous laissez bien les pistolets à faire 10 points, parce qu'en fait, on peut les annuler avant. Ça fait 3, 6, 9. En fait, non, même 3, 6, 10. Il y a 3 petits rafales de pistolets qui donnent des points. Et du coup, en fait, avant, j'arrivais pas trop à le faire. Du coup, ça me donnait que 3 points par tour. Bon, je faisais ça, je mettais pas trop de coups de pistolet, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors mais que bon. maintenant, je maîtrise bien, je laisse bien taper les pistolets, tac 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 D'entraînement, quoi, tout tac 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 simplement. tac tac. Et après, ta 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 ta, bim! Ah, là, il y a eu Voilà. un truc. Il y a un coup qui a du C'est pas grave. saut.
Bon, Donc, voilà, pour un petit point ben, plus sympa. je pense que même si tu oublies des choses, faut... Je peux montrer un autre petit. Un petit. L'utilisation du Empty Cancel. Avec. Maintenant, vu que récemment j'ai appris que carré-carré, on pouvait comboter avec carré-carré-carré. Avant carré avec carré-carré-carré, tu vois, ce que je t'ai montré tout à l'heure. Tac. En fait, je change de Empty Cancel, je le fais avec avant-carré. Je fais comme ça, regarde. 1, 2, 3, tac-tac, bim. 1, 2, 3, tac-tac, bim. D'accord. 1, 2, bim. 1, 2, 3. Tu vois ce que je veux dire? C'est une autre façon de faire. Et... En plus, tu vois, ça ralentit bien, du coup, ça fout bien la rage parce que t'es encore plus long au combo, tu vois. Ouais, c'est ce que Ça j'avais, moi j'avais la rage aussi. tu vois. Donc. Ok, voilà. Un petit truc pas mal. Ok. Vas-y, passons à la suite. Ouais. On va passer au super, donc je vais repasser dans le groupe juste pour dire qu'on soit à zéro. Et surtout bah, pour augmenter la génération de PA, comme ça on est tranquille pour monter ton tout ce qui est personnage. super. Si je me trompe pas T'inquiète, de ça augmente ton. vite les PA quand même. On a un petit combo, je te demande. Ouais, je sais, mais au moins c'est. Non, mais au moins ça va plus vite. Ok. Voilà. Hop là, on va prendre le même entraînement. Donc là, on va montrer bah, les trois supers du jeu. Hein, tu pourras nous montrer tes talents de combo, justement, si tu as envie de les monter. Toi, tu les as déjà montrés, mais si tu as envie de remontrer encore une fois tes talents de combo, tu peux. Voilà. Et montre-nous les trois supers de Dante. C'est bon qu'on va monter le niveau. Ça va être rapide avec la augmentation. Faut pas que ça fasse niveau 2, attention. Combo 300 points, waouh. Oh merde, c'est vrai que j'ai... Ah, attends. On va juste, tu dois juste montrer la niveau. Non, mais c'est parce que j'ai augmenté la PA. Okay. Vas-y. Montre le niveau 1 ce qu'il fait, sans rien du tout. Ok. Tac, 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 3 coups. Donc 2 coups d'épée et un troisième, il envoie une petite vague déterminante sur quelques mètres. Donc si et par exemple. Regarde de loin, mets-toi loin histoire qu'on voit bien. Voilà, tac, tac, ping. Là, voilà, là, on va dire que c'est un peu le la, maximum. La distance limite là où t'étais, ah, tu vois. Donc voilà, niveau 1. On va montrer le niveau 2. Allez, niveau 2, vas-y. Fais gaffe, hein. T'aimes pas le niveau 3. Je pense que. Niveau 3! Non, c'est bon. C'est pas trop beau, Max, ça. Donc, niveau 2. Alors, bon. Bah, on peut se mettre même très loin, hein, non, j'ai envie de dire. Je crois que ça toucherait pas parce qu'il y a une certaine distance. Ah, une certaine distance, c'est bien. Ah, oui, tu vois, d'accord, oui, d'accord. Non. Donc, ouais, il embroche tout ce qu'il y a sur son passage. Bon, après, il est esquivable avec une roulade. Il prend pas tant d'espace que ça, tu vois, tu peux l'esquiver en sautant un peu. Bah c'est peut-être pas forcément le niveau 2, on va dire, en termes d'utilisation, pire, par rapport à d'autres, c'est pas le plus efficace ou qu'on puisse avoir, en fait. C'est vraiment, c'est un bon niveau 2, mais c'est pas un niveau 2 cheaté, quoi, comme certains qui... Dire, je le place en combo, quoi, tout le temps, parce que souvent, les gens, ils esquivent avec une simple roulade et c'est rageant, quoi, tu vois, tu perds des centaines de points, tu montes niveau 2, les mecs, ils font une roulade, ils t'esquivent, quoi. C'est vrai que c'est dégueulasse. Alors que certains ont des niveaux 2, tu peux carrément pas esquiver, tu peux faire plusieurs kills. Voilà, tu peux faire plusieurs kills aussi, mais franchement, c'est difficile quoi. Faut vraiment qu'ils s'attendent pas à ce que tu le fasses, ou qu'ils sont en combo, ou qu'ils sont. Voilà, trucs comme ça quoi. Donc voilà, pour un niveau 2. Et la niveau 3, alors là, tu peux te faire un plaisir du plus gros combo à 180 qui va faire du ouais, 300. En plus, ah merde, j'ai raté. Ah, c'est pas grave. Hein. J'étais déstabilisé par la caisse. C'est impressionnant. Alors, ce niveau 3, qu'est-ce qu'il vaut? Alors, niveau 3, alors, ce qui est bien avec le niveau 3, c'est dès que vous l'activez, en fait, tous les personnages sont immobilisés. Comme vous dites, ouais, immobilisés. Et vous tuez instantanément, en fait. Bon, votre personnage a une mobilité normale, hein, comme d'habitude. Il y a les mêmes coups. Vous avez tous les coups que vous avez en temps normal. Sauf qu'il tue un coup à chaque fois. Sauf qu'il tue un coup. Et, donc, ce qui est important de notifier, c'est ici que vous allez utiliser souvent donc, les pistolets parce que donc, vous allez tuer en un coup. Vous allez faire des petits trucs comme ça. Vous voyez, ça prend pas mal de distance. Souvent, j'utilise les pistolets, c'est pour ça. Ok, parce que, donc, en plus, ça suit, tu vois. Le gars saute, tu vois. Ah, il vise à peu près comme il peut. Le personnage qui saute, mais... en général, il a toujours un petit qui passe au milieu et mince, vous avez tous esquivé, mais il y a le dernier. Loin. C'est loin d'être la meilleure niveau 3 du jeu et vous allez avoir même parfois du mal à retuer une personne deuxième fois qui, si elle sait pas mal esquiver, va réussir à vous échapper, tu vois.
Bah déjà, faut que tu tues ceux qui sont immobiles, donc si les personnes ça, sont un peu si vous éloignées. arrivez pas à ça, Non mais si c'est une grande map et que malheureusement il y en a un qui est loin, il faut quand même aller le chercher, même si t'as des dashs tout ça, il faut quand même aller le chercher, donc tu perds quelques secondes. Si... Ou alors des fois tu laisses peut-être même tranquille l'autre qui est au fond, mais bon, il est un peu loin. Tout ça pour dire que c'est pas la level 3 de Zeus, quoi. Oh, le Zeus encore, il y a quelques techniques pour esquiver, comme... mais bon, ouais, ça reste quand même une bonne S3. C'est... Bon. Ok, bon. Je la place. Il y a au moins la moitié des S3 de tous les joueurs qui sont mieux, je trouve. Il y a beaucoup mieux, je trouve personnellement. Ok. Voilà. Bon, c'est pour les kills confirm. Alors, je veux savoir s'il est possible de faire un kill confirm sans faire un gros combo avec le 1 de. C'est-à-dire, il y en a qui font une chop, ils lancent le S1 et ils tuent. Est-ce que, par exemple, Dante il a un coup et un kill confirm, quoi. Enfin... Non, c'est pas possible. Il n'existe pas. À part fait de. Même si tu fais carré, oh, et tu envoies là, ça marche par contre si... Et carré. Juste un carré que tu. Et le personnage est en train de descendre, tu peux le tuer ou pas? Ah non, parce que si tu fais pas un. Regarde, 1, 2, 3, si je sais pas, merdeux. Enfin, ouais. Si quand tu vois le temps qu'il met à se rétablir du 2 troisième coup, le temps qu'il range son épée, c'est abruti. Regarde. Pourquoi tu ranges ton épée? T'es en train d'utiliser et le mec il est encore vivant. Grave, tu vas partir sur ton S2. Bref. Donc voilà, non, c'est pas possible et c'est pour ça qu'on utilise le MT Cancel à ce moment-là pour ensuite tuer. Mais il n'y a vraiment aucun de kill confirm autre que les MT Cancel parce que. Tu peux pas confirmer avec la shop, tu peux pas. Parce que je sais que Raiden par exemple il a un coup, il dash vers l'avant, il donne un coup, le mec il est par terre, tu lances ton S1, t'as mis. J'ai un dash mais non, il met et pas. Il fait rien. Il y a celui-là mais c'est pareil le tank. Avec un carré, hein, tu vois le tank qu'il met. Ouais, j'étais debout donc normalement j'aurais pu. Pas le temps. C'est moi qui ai mis deux. Tu veux faire Nourlade, attends, je te remplis ma S1. Voilà. Tu vois, comme histoire de bien voir. Là, tu roules. Ouais, tu vois. On voit que c'est pas possible. Ouais. Ok. Donc, c'est pour ça que pour comboter un S1 qui confirme, donc faut utiliser le empty cancel que j'ai précédemment expliqué. Vas-y, remontre-le juste pour le plaisir des yeux. Enfin, même quand t'as pas la barre chargée, tu peux le temps que tu la charges. Merde, tu vois, j'ai raté. Oh. Et voilà, tu stresses. On dit. Ah, encore une fois. Voilà, on a dit. Ok. Ok, donc je pensais que Dante avait au moins un kill confirm normal, mais même pas. Donc pour la S1, donc, le kill confirm c'était donc, seulement sur un petit cancel. Et il y a une autre méthode que j'arrive une fois sur 20. Ce serait vraiment chaud en fait. Faut faire ça, regarde. Attends, je vais essayer, hein, c'est vraiment vas-y, très chaud. Essaye. En fait, tu te dashes au ras du sol en arrière. Ici, tu vas jeter une boule au ras du sol et tu fais S1. Et il va tomber sur ton premier coup d'épée. Merde, trop près. Allez, attention, t'as ton S1. Et je vais réussir. Merde, putain. Tu vois, j'ai mon S2. Bah, montre un kick avec le S2 au passage, tiens. Ok. Bah, en fait, avec le S2, ça va être la même façon que l'S1. Comme ça, par exemple. En faisant le MT Cancel. Bah, tu vois que. En fait, il est déjà plus rapide à se lancer que l'S1, du coup, t'as tout le temps. Bah, c'est vrai que le fait que le temps ralentit, il est déjà en train de préparer son coup, donc. Bon, ouais, ok. Et justement, en fait, je le place aussi de la même méthode que je t'ai expliqué là pour le deuxième qui confirme de la S1. Tiens, ah, bah voilà! Ah, oui, ah, il est beau celui-là. Ah, celui-là, il est beau, j'avoue. C'est stylé. Ça sert à rien, mais c'est stylé. Surtout, ouais, c'est plus compliqué que faire ce que tu faisais juste avant, donc c'est vrai que. Il n'y a pas d'intérêt propre à le faire, mais si tu veux mettre la rage au mec qui dit tu sais faire que ça, tu lui en fais ça, bon, bah j'ai rien dit. À la limite, voilà. Ok. Et tu peux faire de la même. Et beaucoup plus simplement en fait. T'as pas besoin de le dasher au ras du sol pour faire. Avec le S2, tu peux bien monter, tac, faire une boule de feu. Et au moment où il commence à retomber, en fait, tu lances le S2. Tiens, je vais le montrer, je vais remplir le S2. Tac, tac, tac. Bim. Trop tôt, tu vois. Ah il était encore en train de monter. Ah ouais, t'as quand même calculé le fait qu'il soit à une distance. Bon. Bim. Ah, ok, ouais. Attention, c'est du travail de prose, hein. C'est beaucoup plus simple que le S1, je vous dis tout de suite, hein, parce qu'avec le S1, donc je vous dis qu'il faut vraiment être au ras du sol, et parce qu'en fait, vu que t'es au ras du sol, si t'es trop au ras du sol, tu vois, le coup, le baron, il se fait annuler tout de suite, du coup il sort pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le même problème avec le MT Cancel, t'es au ras du sol, du coup le carré il sort pas, t'es d'accord? Oui. Alors que là, donc c'est pareil, le baron en fait, ça fait une sorte de MT Cancel, du coup il sort pas, vu qu'il est au ras du sol. Donc il faut pas être trop au ras du sol. Mais si t'es un peu trop haut, tu peux pas l'avoir en combo. D'accord. C'est vraiment pas évident quoi, c'est millimétré quoi.
Donc voilà pourquoi c'est dur de faire avec le S1 comme ça. Donc sinon pour le S2 aussi, je vais montrer que... Bon, je l'utilise pas souvent, mais normalement c'est possible d'utiliser avec le contre. Ah. Le même ça marche pas par contre. Non. Ah bah, même pas... Attends, fais une petite roulade parce que j'avoue que je suis pas sûr. S'il n'y a pas une petite modification depuis la mise à jour. Non, je peux rien faire, je suis encore en train de me relever. Okay. Ouais, c'est pas ça. Donc voilà, donc plusieurs méthodes de. Est-ce que tu peux montrer juste pour le S1 voir ce que ça donne si tu fais pareil mais que tu lances le S1 juste pour que les gens qui seraient sceptiques de voir le contre et le S1 derrière. Ça marche. J'en connais des gens qui sont sceptiques comme moi par exemple. Alors. Ah ouais, d'accord, ouais, ça va. C'est vraiment vu que le S1 il met du temps à mettre le premier coup, du coup, pas le temps de faire la roulade. D'accord, ok. Donc voilà à peu près différentes manières de placer la S2. Hein. Après, y a pas de. Avec les shops, tu peux pas. Hein. Y a pas de kill confirm avec les shops. Non, y a pas de. Regarde, si tu veux, on peut essayer. Vas-y. Shop R, S2. Oui, non. Ouais, bon, en fait, le perso se rétablit juste au-dessus de lui. Ouais, il se rétablit juste au-dessus. C'est pour ça que souvent, tu utilises ça pour combattre ensuite. Donc voilà pour. Et il y a un bon moyen de lancer le S2, c'est pendant qu'il y en a un qui est en train de redescendre, qui a fait son double saut, une fois qu'il est en train de descendre, tu peux le lancer. En fait, c'est vrai que j'essaye de le faire comme ça, mais je le fais plus parce que tellement de fois je me suis fait avoir parce que le mec, tu crois qu'il a fait son double saut, mais par exemple, Cole, il va faire son oro pour sauter sur un pavé de glace, tu vois. Ouais, ça dépend des persos. Ou un Sly qui va faire une téléport, tu vois, des persos qui ont des manières d'esquiver comme ça, ou un Zeus, ou n'importe qui comme ça, tu vois. Et même parfois, si tu le fais trop tôt, le mec, il a le temps de toucher sol et faire la roulade ouais, c'est vrai. Touche, du coup, ça esquive. Du coup, je me suis résigné à kill, essentiellement à kill confirme. Comme ça, okay. Ça pose pas de problème. ça m'énerve, moi, tu vois, ça me fait chier de gaspiller comme ça des seins. Du coup, je kill essentiellement quand je suis sûr de kill. Mais t'as raison. Donc voilà. Et sinon, après en parlant, petit conseil, sinon, récemment, j'ai appris à utiliser donc le MT Cancel pour faire un. Regarde, je vais te montrer. À utiliser mieux l'espace, c'est-à-dire prendre en considération le terrain. C'est-à-dire, alors, avec le petit cancel, en fait, tu peux aller derrière lui et continuer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hop là. J'ai appris à bien maîtriser ça. Pourquoi? Alors déjà, j'avais plusieurs problèmes. C'est que quand t'arrivais des fois en bout de map, auprès d'un mur ou d'une map, par exemple, comme le niveau Ratchet & Clank, tu sais, où il y a le poisson qui te bouffe et en haut sur les plateformes où t'as pas de mur. T'as une c'est Jack and Daxter, c'est le village des Oui. C'est pas grave. Ok, donc voici ce niveau où. Donc parfois quand t'arrives au bout du mur, en fait, le combo va rater parce que tu vas transpercer le personnage, tu vois, pour passer derrière lui. Et ça, c'est super chiant. Du coup, avant d'arriver au mur, j'ai appris à changer de côté, comme ça, j'ai pas de problème. Tu vois. Après, tu reparles comme si t'étais tout droit, en fait, que t'avais pas un truc infini. Pour troller, et je m'amuse à faire ça. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc voilà, donc. Moi, j'avoue que ça m'énerve. Donc, il y a ça. Et aussi, une autre utilité de changer de côté, récemment, je le fais souvent aussi, parce que quand je suis en CPS, à 4 joueurs, 1 contre 1 contre 1 contre 1, et que j'ai un joueur comme ça dans mon côté, ce qui va vous arriver souvent, c'est vu que les combos ça sont longs, ça c'est assez long, tu vois. Ouais. Les gens vont avoir tendance à dire ah tiens, un petit Dante qui s'amuse à faire son combo fini, tiens, je vais me régaler, je vais les kill les deux. Et souvent il se régale, il fait son S1, il vous embroche et tac, et là t'as la rage. Donc voilà, c'est vraiment chiant. Du coup, je me suis dit. Il faut que j'arrive à trouver une petite manière de contrer ça. C'est, je me place, disons que tout le monde là est derrière moi, tu vois. Nous on est là, il y a deux autres personnes qui sont là, qui se battent, je sais pas. En fait, si je commence à te comboter d'ici, je vais aller de l'autre côté pour pas être à dos. Et quand je vais lancer mon. Merde, j'ai S3. Quand je vais lancer mon S1, mon S2, j'ai des chances de même toucher les autres qui vont. Les petits malins qui vont essayer de venir nous kill. Ah, parce que. Parce qu'à la limite, ils vont dire bon, je vais aller le taper. Donc ils vont venir. Comme des kamikazes en fait, ils vont venir. Et donc ils s'y attendent pas et ils se prennent un gueule et ils vont oh mince. Ça, je suis content quand ça fait ça, comme ça. Je dis, ah, petit malin, tu voulais avoir. Hein. Du coup, après.
c'est vraiment pas mal de changer de côté. Encore une fois, c'est l'entraînement là quand même aussi, encore une fois. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas mal. Essayer de prendre en considération cette remarque. C'est vraiment un problème. Et ce qui est bien aussi, donc, ça a ses avantages comme ses inconvénients, hein, que ça soit un combo long et donc au sol comme ça, et qu'on peut vous tuer avec des seins, c'est qu'en 2v2, vous pouvez même enchaîner deux personnages, hein, comme ça. Ouais, et là, il arrive. Et votre compagnon, il peut venir vous aider et les tuer, quoi. Ou même, je sais pas, il m'est déjà arrivé d'en choper 3. C'est fort, ça. Dès que vous chopez les 3 comme ça, vous êtes content. Dit, ah oui, il va avoir 3 utiles. Ouais, c'est clair que là, pour le coup... Ah, c'est vrai qu'avec un S1, rentabiliser ça comme ça avec 3 kits, c'est super. Et c'est pas mal, en fait. Et du coup, en 2v2, c'est ça, ses avantages, c'est que vous... Pendant une dizaine, quinzaine de secondes, même, vous tenez un personnage, quoi, pendant que l'autre, il tient le sien. En fait, ça peut même permettre de faire du 1 contre 1, finalement, en 2v2. Donc, de séparer deux équipes et... ok, ouais, en plus. J'ai tendance à dire avec ceux qui jouent avec moi, c'est... Si tu vois que je suis en combo sur quelqu'un, tu n'interviens pas. Tu me protèges de l'autre, s'ils essaient de me taper, ou tu vas t'occuper de l'autre. En tout cas, tu touches pas. Et parce que, en fait... Souvent, ce qu'ils faisaient, les gens, c'était... Donc, ils voyaient que j'avais les deux, et donc, ils claquaient son S1. Mon compagnon claquait son S1 ou son S2 pour faire double kill. Mais je lui disais, ça sert à rien. Je lui disais, on est une équipe, peu importe qui fait les kills. Si... Laisse-moi les kills. Parce que si je les chope les deux, j'aurai sûrement ma S1 au bout de mon empty cancel, avant que les personnages explosent, avant le combo max. Donc, je vais sûrement pouvoir les tuer les deux avec un S1, tout simplement. Et lui, il garde son S1. Il économise, quoi. Je veux dire, et après, toi, tu peux commencer. Et derrière, justement, tu peux toi essayer de commencer un combo sur un. Et il peut finir ça. Il peut justement lancer la S1 qu'il a de côté pour faire un kill de son côté. Et... Voilà, donc, c'est ça. Donc, n'emmerdez pas les dentés. Si vous voyez qu'il fait son combo, vous le laissez dans son coin. Et... bien sûr, mais bien sûr. Ce qui est important, c'est que les gens, certains compagnons jouent vraiment bien le jeu, ils me protègent. Parce qu'ils savent que je suis très. Comment dire. Sensible, à découvert, disons, et que donc il me protège, quoi. Et ça, c'est important d'avoir un bon compagnon qui sait te protéger pendant que toi tu fais ton petit un petit cancel. Ok. Donc, je pense qu'on a dit le plus gros quand même. Je pense qu'on va. Voilà, enfin, sur, je pense que les gens ils ont compris Dante, c'est le fait qu'il soit très fort en 1 contre 1 déjà et qu'il peut être très utile en équipe. Donc d'ailleurs ça faisait partie des questions que j'avais. Bon, on va passer justement aux questions, on peut se taper tranquillement en attendant. Fais-toi plaisir avec ta S3, tout ça, enfin, fais-toi plaisir. Donc quelques questions, contre quel personnage tu as du mal quand tu joues Dante par exemple? Quel personnage tu crains toi, personnellement? Alors, les personnages que je crains. Donc comme je l'ai expliqué, c'est pas évident de gérer les personnages avec des mines. Parce que c'est vraiment... On peut pas enchaîner à terre et tuer avec son S1 parce que donc, la mine va vous gêner. Et il faudra d'abord se débarrasser des mines souvent. Donc franchement les persos mines, j'avoue, c'est pas facile. Et ensuite les d'autres persos donc sans mines qui vont poser problème, c'est des persos vraiment qui sont abusés, quoi, type 4. Vraiment, ou des Kratos qui sont bien joués. Parce que vraiment ils sont abusés, quoi. Mais par exemple, je peux vous dire, j'ai fait pas mal de 1v1 avec une des meilleures 4 au monde. Et je lui dis que franchement j'ai pas pu faire grand chose, je m'étais bien prendre des raclés. J'avoue que c'était pas facile du tout, et elle a vraiment beaucoup d'atouts, quoi. Franchement Kat, pour moi je trouve Kat bien maîtrisé, il maîtrise vraiment tous ses coups, toutes ses possibilités, c'est vraiment le plus fort perso du jeu pour moi. Okay. Donc voilà, après sinon des personnages qui me posent particulièrement de problèmes. Bah les mecs ils jouent bien avec leur perso. Enfin, plutôt les mecs parce qu'ils connaissent un peu tes faiblesses. Ouais, après ouais, c'est vrai que les personnages qui connaissent pas trop les mécaniques du jeu ou qui gardent pas trop déjà. Les personnages qui vont pas trop utiliser la garde dans le jeu, je vais en faire qu'une bouffée. Une bouchée. Du coup, si vous jouez contre moi, je vous conseille garder, sinon. T'as pas trop le choix en même temps, parce que suffit de faire une roulade, tu nous attrapes. Donc, c'est clair que... Ouais, parce que. Ah oui, donc ouais, c'est vrai qu'on a pas parlé de ça. Comment. Quand j'ouvrais la garde, comment ouvrir la garde, c'est vrai que quand un mec il va faire les roulades, se retourner et continuer, quoi, tu vois. C'est vrai que ça, je le fais souvent aussi, parce que
un mec qui a tendance à faire beaucoup de roulades, j'en ferai qu'une bouchée aussi. Parce que je vais minder sa roulade, je sais qu'à un moment je vais approcher de lui. Lui il pense que je vais appuyer carré. Mais moi ce que je fais souvent c'est je vais faire ça, je sais qu'il va rouler, je vais me retourner, je vais appuyer carré. Je vais faire ça, tac, il va rouler et je vais taper. Souvent ça arrive ça. C'est, je vois qu'ils font beaucoup de roulades. J'attends juste qu'il fait la roulade, je m'approche de lui, il croit que je vais taper, il fait sa roulade et je le chope. Et donc un autre point, c'est que s'il chope derrière moi, je vais me retourner, je vais taper carré, je vais lui ouvrir la gamme. S'il chope derrière lui, je vais faire un dash carré pour le rattraper. Le dash, il me sert beaucoup à rattraper les mecs qui font des roulades et d'accord. D'ouvrir la gamme. Parfois, je joue contre des gens qui comprennent pas que à la fin d'une gamme, il y a un moment où tu t'es vulnérable et que tu peux pas te protéger, tu vois. Tu le sais, toi. Oui, je sais. Hein. C'est pas pourtant que des fois, je fais quand même la connerie. Septième de seconde où donc ton personnage est à découvert, enfin voilà, il est vulnérable. Et donc il y en a qui ne croient pas, qui disent putain je peux rien faire, je peux pas bouger, ils font des roulades, ils se relèvent chaque fois, ils font des roulades. Du putain je peux pas bouger, c'est quoi ça? Ils comprennent pas que je leur conseille de se relever tout droit, au lieu de faire n'importe quoi et de se faire choper à la relevée. Franchement c'est. J'en fais qu'une bouchée les gens qui spamment les roulades, parfois même des roulades trop évidentes. Ils vont chercher à s'éloigner de moi, mais n'oubliez pas que Dante a un dash qui va assez loin et qui peut rattraper même vos roulades arrière. Bah oui, il a une plus grande distance que les roulades, donc finalement c'est... Ouais, ouais, du coup, ouais. Et donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Je voulais parler aussi d'une autre chose, c'est que avant la mise à jour, quand tu tapais dans la garde d'un ennemi, tu pouvais... Tu étais obligé d'attendre que ton combo finisse, enfin que ton carré finisse, tu pouvais pas, en fait... annuler avec des coups triangles parce que ça en fait voilà en garde tu pouvais pas annuler tes coups avec triangle, du coup c'était chiant parce que comme je vous l'ai dit en fait ces coups avec carré sont vraiment longs à se rétablir, du coup vous êtes puni en fait à chaque fois qu'un personnage vous gardait vous êtes sûr de vous faire prendre un combo juste derrière ou même une S1 et c'était vraiment un des plus gros défauts de Dante d'être sûr d'ouvrir la garde en tapant avec carré. C'était vraiment pas évident, c'était vraiment un perso très dur à jouer contre les bons persos qui tout simplement gardaient. Si vous venez taper dans sa garde avec carré, c'était vraiment pas évident ensuite de s'en sortir. Et donc, après la mise à jour, ils ont fait en sorte de pouvoir cancel même après la garde. Vas-y, garde. Peux cancel avec tes coups triangle donc pour te sauver, même en garde, faire des petits cancel, bon... Voilà, donc c'est vraiment, ça fait une sorte de pressing, tu vois, et le personnage ne sait pas quand on retire la garde, et c'est vraiment pas mal, quoi. C'est pour moi la meilleure chose qui s'est faite dans la mise à jour, et c'est pas la chose que les bons joueurs ont pris en considération, parce que peut-être qu'ils s'en foutaient, ou je sais pas, qu'ils utilisaient pas trop ça. Bon, c'est vrai que tout le monde n'utilisait pas l'anti cancel, mais pour moi, c'est ce qui aide le plus, c'est ce qui a plus aidé Dante à devenir plus fort. Ok, bah en même temps, c'est un peu con quand même. C'est con parce que finalement c'est le même combo sauf qu'il y en a un qui a une garde et pourquoi tu peux pas l'annuler. Enfin, ça aurait été con, hein, c'est vrai. C'était ouais, pas logique par rapport au. Dans la garde, t'es c'est la même chose en fait. Après, ça permettait aussi d'éviter qu'il y en a qui abusent peut-être, mais non. Enfin, voilà, c'est vrai que s'ils l'ont remis, c'est peut-être parce que justement ils trouvaient ça pas logique par rapport C'est vrai que c'était super difficile du coup pour les Dante contre un personnage qui. Un mec qui savait bien jouer, qui allait se garder, qui allait attendre que Dante le frappe quoi. C'est vrai que le mec jouait contre des gars, ils attendaient, ils me disaient viens frappe. Il attendait que je le frappe, je fasse l'erreur, je tape dans sa garde, et là il me punissait. Ouais. Et du coup j'ai rejoué contre ce gars après, et là, après la mise à jour, et là il n'arrivait plus à me battre. Et ce gars s'appelait David. D'accord, ok, d'accord. Bah il appréciera j'imagine. Monsieur l'ancien Kratos qui a compris. Ouais. Il va te remercier d'ailleurs, je pense. Pas de quoi, hein, c'est mon pote, t'inquiète. On fait beaucoup de. On joue souvent ensemble. On se connaît bien. On joue call nous deux aussi. Donc, Vous voilà. Entendez quand même. Voilà. C'est l'actuel vainqueur du Play Channel, c'est ça, ouais. Ouais. C'est lui qui avait gagné le tournoi. Donc voilà. Voilà pourquoi. Donc, pour moi, c'était le point le plus important pour Dante après la mise à jour. Mis à part le fait que. Son S1, c'est vrai qu'il a été diminué. Avant, c'était 150 points, il fallait. Maintenant, c'est 125. Ce qui fait qu'il a encore un peu mieux, tu vois. Ouais. Et à part ça, il y avait quoi? Sinon, ils ont un peu nerfé son contre. Il est plus long.
Bon, avant c'était un peu plus, comme ils ont pas nerfé autant que Sly. Sly, ils l'ont vraiment nerfé, bon, en même temps, il en avait besoin, je trouve. Mais donc voilà, sinon, par rapport aux mises à jour, ils ont augmenté le baron, qui donne maintenant 20 points. Avant, il donnait combien de 10? 10, ouais. Ok. Donc, ouais. Donc, Ouais, voilà, des petits trucs. quasiment que du Franchement, mieux quoi pour le dernier. Okay. c'était super, j'étais bien content. Et même, je le jouais quasiment plus parce que, disons que je faisais des matchs contre j'avais appris à rencontrer des joueurs assez bons et c'était pas évident de jouer avec Dante avec eux parce que voilà, s'ils gardaient, t'étais mort. Et du coup, donc j'avais pris Call. C'est à ce moment-là que j'ai pris Call. J'en avais marre, putain, c'était trop dur de gagner avec Dante, c'est vraiment pas évident. Et donc j'avais pris Call. Avec Call, j'avais plus aucun problème, j'étais encore plus fort, tout ça. Et après la mise à jour, je suis revenu sur Dante. Donc. Ouais. Voilà, une petite anecdote. Voilà. Ok. Bon, pour finir, tu as un peu répondu. Donc, 1 contre 1, 2 contre 2, CPS, tout ça. Bon, on peut voir Yes. qu'un 1 contre 1, il est très fort. Hein, on a pu Un contre 1, remarquer. ça va être le plus utile, franchement. Enfin, pour un Dante, l'un contre 1, c'est le meilleur. D'accord. C'est mieux que le CPS, mieux que le DV2. Avec 4, les deux, peut-être. Enfin, Mais. le meilleur, pour moi, quand je dis le meilleur, c'est le meilleur mode de jeu pour Ah, Dante. oui, d'accord. Ok. Après, non, je dis pas que c'est le plus fort perso. Comme je l'ai dit, donc il y a 4 notamment. Il y a Cole aussi qui est super fort aussi en 1v1. Et donc voilà. Bref, 1v1, c'est son meilleur mode de jeu. Ensuite, je dirais 2v2. Parce Ouais. que. Mais voilà, comme je vous ai dit, en fait, ces combos, vous allez devoir vous occuper d'un personnage et d'être un peu tranquille, quoi. Et du coup, vu que ces combos sont assez longs. Et du coup, c'est pas évident de jouer en CPS. Franchement, en CPS, c'est un mode pas très évident pour Dante parce que il va se faire prendre souvent par derrière par DS1 et ils vont vous mettre des double kills sur toi et sur le mec qui est en train d'enchaîner. Ça arrive tellement souvent. Ou même t'as jamais le temps de finir ton combo que t'as un mec qui va venir te taper, quoi, tu vois. Tu vas te prendre un projectile ou n'importe quoi. Mais vraiment, donc en 1v1, c'est là où voilà, tu prends pas en considération les autres joueurs, vous êtes tout seul dans votre monde et t'as juste à t'occuper de lui. Enfin, moi après c'est vraiment le mode de jeu quoi là. Rien, j'avoue que j'ai. Bon, vu que je joue Dante, c'est peut-être pour ça aussi que je préfère le 1v1. Après j'ai pas trop joué d'autres persos comme je vous ai dit. Donc avec Raiden j'avais beaucoup moins de difficultés à jouer en CPS. Ouais, peu importe, hein, tu sais, tu fais le niveau 1, tac, ça tue tout le monde, ça tourbillonnait, ligne. Avec Raiden, c'est le meilleur niveau 1 du jeu pour moi. En Même même si bon. temps, faut avouer. Ah oui, j'ai réussi. Faut avouer quand même que Raiden il est quand même pas mal. Il a vraiment tous les avantages. Qu'y a pas ça? Ça bug. Ça bug. On a perdu. On a perdu notre. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends par contre? Ah oui, je t'entends, oui. Bon, c'est pas grave. On a fini, je pense, le match-up pour le coup. Ouais. Oh, peut-être qu'on en est resté trop longtemps, il a pas dû apprécier, j'imagine. Toutes les connexions sont perdues fin du match. Donc j'imagine qu'il a pas dû apprécier le temps qu'on est resté en fait ensemble. Bon, c'est pas grave. Donc je te remercie quand même parce que je crois que t'as tout dit sur Dante. Hein. Les gens ils avaient peut-être peur que tu dises pas tout pour éviter qu'on te batte, mais finalement, Non, il n'y a pas de souci. même en Non, le moi. sachant, on va quand même avoir du mal. Donc ça restera. Sur ce point de vue-là, franchement, je me suis même pas posé la question. Comme je te l'ai dit, en fait, il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir et m'expliquer, me demander de les entraîner sur Dante. J'ai déjà fait. Il n'y a pas de souci, Sélectionne ton franchement. Moi, ce que je personnage. demande, c'est pourquoi pas donc de jouer contre des personnes encore plus fortes et même qui connaissent tes coups, comme ça te donne plus de difficultés et Ça permet de peut-être trouver d'autres choses justement que tu n'aurais pas plus de pensé. challenge. Ouais, voilà. Ouais, même en plus, ouais, franchement. Il m'arrive de voir des Dantés qui font des choses que je fais pas, qui m'apprennent des choses. Il y a beaucoup de choses à connaître avec Danté, même des choses où on s'y attend pas. Et il y a plein de possibilités justement. Vous pouvez créer des combos, un peu comme Kat. Franchement, j'avais vu la vidéo de Kat du match-up et c'est vrai qu'elle était pas mal du tout. Et elle a beaucoup de possibilités donc création combo comme Danté. Hein. Ah, c'est les deux persos qui se rapprochent le plus dans les combos en tout cas. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui a ses cancels et l'autre qui a plutôt sa rapidité à se rapprocher de son adversaire ou à le rattirer vers lui pour pouvoir continuer. Chacun a sa méthode mais ça reste sensiblement identique dans la manière un peu de fonctionner
de leur combo, donc pour ceux qui aiment les personnages à combo, bah maintenant ils ont le choix entre deux persos, hein. Kat et Dante. Kat et Dante. Ok, ben merci à toi, Gokli. Je vais pas dire ton nom entier, on te surnomme tous Gokli, ça va plus vite. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est mon pseudo. Donc, merci à toi hein, pour ce match-up. Il y a pas de quoi. On a eu du mal à le faire, mais on a réussi, ça y est. Ouais, enfin, enfin. En plus, beaucoup de personnes me demandaient, c'est quand ton match-up, ou me demandaient de les entraîner. Je leur dis, attends, je vais faire le match-up bientôt avec Grand Mano, tout ça. C'est pour ça que j'insistais un peu ces derniers jours. J'imagine. Je te demandais chaque fois, oh Mano, le match-up, on le fait, on le fait, on le fait. Parce que j'ai pas mal de personnes qui me demandaient en fait. Ah bah t'inquiète que moi, dans les commentaires que j'ai eu sur mes vidéos de match-up, la plupart du temps, on me demandait quand est-ce qu'il y a le match-up de Dante. C'est celui qui revenait le plus, donc j'avoue aussi que c'était le plus attendu de tous. Ouais. Et il est fait, c'est bon. Voilà. Ça, ça marche. Donc voilà, merci, je vais pouvoir peut-être un peu mieux me défendre contre toi maintenant, que j'ai compliqué certaines choses. Ça veut dire que je gagnerai, évidemment. Ouais. T'as qu'à me défier à la semaine prochaine. Ouais, t'inquiète, je pense. Je pense que je vais retenter ma chance, je pense. Y'a pas de soucis. Donc merci à toi, Gokli. Bon bah, on se retrouve pour un autre match-up. Venez aussi sur le forum des tournois si vous voulez justement affronter le Dante de Gokli. Hein. Faut savoir à quel point... On se fait démonter la tronche. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait, venez, vous allez comprendre. Ouais, rejoignez tous le forum PlayStation All-Star Battle Royale, forum français où on est pas mal de joueurs, là, une petite communauté, on fait beaucoup de tournois toutes les semaines. Franchement, pas mal, et c'est là qu'on est, on joue tous ensemble, dont toi aussi, Romano. Ouais, je joue aussi. Hein. Une petite pub au passage, voilà, donc n'hésitez pas. Ouais, venez sur ce forum, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Venez aussi sur le forum ouais, de jeuxvideo.com, parce que comme c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches, je continue quand même de faire la pub, surtout qu'il commence un petit peu à être, on va dire, un peu vidé par les joueurs. Revenez un petit peu discuter quand même, il faut que la flamme revive de ce jeu, sur ce forum en tout cas. Bah ça va, sur notre forum, on est de plus en plus nombreux et tous les jours on est là, on joue, on s'organise. Souvent il y a des parties à 4 comme ça pour la détente, donc c'est vrai que ça arrive régulièrement, donc venez. Venez, en plus ça fera plaisir à ceux qui ont créé le forum, hein. Comme ça. Tout le monde est le bienvenu, vous avez même un classement des meilleurs joueurs en gagnant des points, en gagnant notre tournoi, c'est vraiment pas bien, c'est pas mal. Et voilà. Romano, toi t'es combien au classement? Je sais plus, je crois que je suis 8, je sais pas, je suis en haut des mecs qui sont le plus en bas, si tu veux, de ceux qui font gagner que 10 points, tu vois. Mais je suis tout en haut de ça, mais je suis pas encore dans ceux qui font gagner 20, 30 ou 40, voilà. Il faut gagner des défis, bah, tiens, défie-moi, tu vas gagner le max de points. Maintenant, tu connais les secrets. Non, mais ça va être pas si facile que ça. De toute façon, ça, on verra, hein. On verra. Quand je me sentirai prêt, je le ferai. C'est-à-dire dès demain. Bon, merci encore à toi. on tarde un peu, mais bon, on est comme ça sur PlayStation All-Star, hein, les joueurs sont... En général, on a du mal à se quitter quand on fait des choses. On veut aller jusqu'au bout, on veut aller une dernière. Voilà. On est comme ça, donc vous êtes sûr de jouer avec des gens. Hein. Je vous dis tout de suite, venez, vous êtes sûr de jouer. Pas forcément gagner, ça il va falloir s'entraîner évidemment, mais au moins s'amuser entre nous. Voilà, ouais. Voilà. Donc je te remercie encore une fois, hein, Gokli. Et plus mon téléphone sonne, donc c'est parfait pour arrêter la vidéo ici. Donc nous on se retrouve sur le jeu ou sur le forum, et on vous retrouve vous tous pareil, soit sur le jeu que je vous oblige à acheter, soit sur le forum que je vous oblige à venir vous y inscrire, voilà, tout simplement. Voilà. Salut à tous. Salut.